Les deux demi-finales de la Coupe du Monde sont maintenant connues et tu es certainement au courant. Première demi-finale mardi, Argentine-Croatie. Deuxième demi-finale mercredi, France-Maroc. Alors ici dans cette vidéo, eh bien, je vais aller identifier avec toi quelles sont les cotes qui sont value, qui sont bien payées, les cotes qui sont fournies par le marché. Alors sur les cotes pré-match, donc value pré-match, ok, je vais jeter un œil sur les cotes et évidemment sur les statistiques de la Coupe du Monde. Mais avant de t'expliquer tout ça et d'essayer de te conseiller au mieux sur la value dans ces deux matchs, eh bien, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Alors, avant de plonger dans ces deux matchs, il faut savoir une chose. Si tu jettes un œil sur les trois Coupes du Monde précédentes, 2018, 2014, 2010, et que tu regardes les demi-finales, donc ça nous fait six demi-finales, hein, trois Coupes du Monde, 3 fois 2, 6 demi-finales. Si on regarde les résultats de ces six demi-finales, 1-0-1-1, 1-7-0-0, 2-3-0-1. Donc on a 4 matchs avec 2 buts ou moins et on a eu 2 matchs avec 3 buts ou plus. Alors 6 matchs, je suis d'accord avec toi, c'est un peu peu pour faire une analyse statistique, c'est pas le but, mais de toute façon, si tu rajoutes à ça l'intuition et les équipes comme la Croatie et le Maroc qui sont impliquées dans cette demi-finale, sont des équipes qui vont essayer de contrôler un maximum le match et qui tendent à diminuer le nombre de buts dans un match, ok? Plus on voit une tendance quand même, parce qu'il y a 4 matchs sur 6 avec moins de 2,5 buts, ok? Eh bien, on peut avec, je veux dire, en faisant preuve de bon sens, se dire que voilà, on se dirige plutôt vers des matchs avec peu de buts, du moins en termes de probabilité. Il y a plus de chances d'avoir un match avec peu de buts qu'avec beaucoup de buts, mais tout peut arriver, évidemment, personne ne connaît l'avenir. Et d'ailleurs, tu verras avec moi que les cotes de l'under sont inférieures à 2. Donc là, c'est assez logique que le marché va s'attendre pour ces deux demi-finales à peu de buts. Ok, c'est tout à fait normal. Alors, le premier match Argentine-Croatie. Si on regarde le parcours de ces deux équipes, alors 5 matchs hein, joués évidemment jusqu'à présent par ces deux équipes. L'Argentine, tu le sais bien, a mal débuté son mondial avec une défaite. Ensuite, 3 victoires et ensuite un match nul. J'analyse ici les 90 minutes, hein, les choses soient claires. Donc c'est 3 victoires, un match nul et une défaite. Ouais, on a pas une Argentine non plus qui fait du 100%. Okay. C'est un peu une équipe en dents de scie, okay, un peu irrégulière. Au niveau de la Croatie, par contre, c'est 0 défaite. Par contre, tu as, eh bien, sur les 5 matchs, tu as 3 matchs nuls et une victoire. Donc ça, on sait bien, très bien que ça caractérise la Croatie. Équipe spécialiste pour aller en prolongation, gagner ses prolongations ou ses pénalties. Alors, on a une équipe d'Argentine qui marque tout le temps. Alors, si je regarde, oui, à chaque fois, l'équipe d'Argentine a marqué dans tous ses matchs au moins un but, mais souvent bien plus, 2 buts. Et quant à la Croatie, c'est un peu différent. Elle n'a pas marqué contre le Maroc ni contre la Belgique. Alors, au niveau des cotes, pour ce match, Argentine-Croatie. Tu verras qu'on a deux profils de match, donc les deux demi-finales sont équivalentes, c'est-à-dire qu'on a un grand favori, okay, côté en dessous de 2, et un match dans lequel on attend peu de buts. D'ailleurs, si tu vois ici, Argentine, je vais prendre les cotes moyennes hein, de bookmaker.com, Argentine côté 1,83, je ne trouve pas forcément de la value là-dedans, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas avec moi, mais d'après ce que j'ai observé, je ne vois pas vraiment une grosse valeur, pas de la value dans cette cote de 1,83 pour l'Argentine. 3,37 le match nul, tout ce qui est en dessous de 4 pour les matchs nuls, ça ne m'intéresse pas trop. Et 5 pour la Croatie. Là, à voir si value ou pas, mais c'est une grosse cote. En tout cas, ce n'est pas le marché, moi, qui m'intéresse en pré-match 1x2, si je devais placer un pré-match. Si je regarde ensuite, mais justement, pour les nombres de buts, comme je t'avais dit, si tu regardes la cote de l'over, hein, de l'over-under 2,5, mais là, tu vois clairement qu'on va vers l'under, hein, 1,56 pour moins de 2,5 buts. Donc, le marché s'attend à peu de buts. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a de value dans l'over, puisque je suis aussi un peu d'accord qu'on tend plutôt vers un match avec peu de buts. Donc, là, je ne trouve pas non plus d'opportunité. La réelle opportunité que moi, en tout cas, si je devais parier en pré-match sur ce match Argentine-Croatie, j'irais plutôt, parce que si tu regardes la cote de la qualification, 1,37 pour l'Argentine, ça veut dire 0 value clairement, on est bien d'accord avec moi, et 3,06 pour la Croatie. Pour moi, la value se situe clairement
du côté de la Croatie. Et donc, s'il y avait une cote pour moi à sélectionner en pré-match dans cette confrontation, dans cette première demi-finale Argentine-Croatie, ce serait qualification. Qualification, c'est différent du 1x2, hein, t'es d'accord? Puisque tu peux te qualifier dans les prolongations et ensuite, ou ensuite au pénalty. Et donc là, je me dirige plutôt, si je dois choisir, une cote pré-match, 3,06, et alors j'irai sur Pinac, je le vois qu'elle n'est pas affichée ici, mais ce n'est pas grave. En tout cas, cote moyenne, 3,05, voilà, pour la qualification de la Croatie. Là, je trouve que c'est assez clair pour moi, c'est la cote la plus intéressante au niveau value. Je ne sais pas ce que tu penses, alors je ne te demande pas qui va se qualifier, hein, ok, ce n'est pas la question. Ici, on est entre parieurs, c'est vraiment de savoir où se, cote, où se situent les cotes les plus intéressantes, surévaluées, ok, surpayées, donc les cotes value. Donne-moi ton avis en commentaire pour ce match, je te remercie. Alors maintenant, on passe à l'autre match, qui est, comme je te l'ai déjà dit, France-Maroc. Même profil de match, tu verras. C'est-à-dire un favori et peu de buts. Du moins, ce qui est attendu par le marché. Alors, si on regarde le parcours de la France, on a 4 victoires claires, une défaite qui, pour moi, n'est pas importante vu qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, je ne peux pas prendre ce match en considération pour ma part. Donc, on a vraiment une grande performance de l'équipe de France jusqu'à présent. Une équipe qui, en plus, marque dans tous ses matchs. 4 buts contre l'Australie, 2 contre le Danemark, à part la Tunisie, ok, mais comme je te dis, je ne compte pas ce match-là. France, contre la Pologne, 3, et contre l'Angleterre, 2. Donc, c'est une équipe qui tend à aller vers l'over 2,5 dans ses matchs, clairement. Ça se voit ici. Le Maroc, c'est l'inverse. C'est une équipe qui tend à aller vers l'under 2,5. C'est un peu l'équivalent de la Croatie dans l'autre match. Ok. Alors, on a 2 matchs nuls pour le Maroc et 3 victoires. Aussi, tu vois, comme la Croatie, une équipe qui, pour l'instant, est impossible à battre. Alors, le Maroc n'a pas marqué contre la Croatie, a marqué contre la Belgique, n'a pas marqué contre le Canada, n'a pas marqué contre l'Espagne dans le temps réglementaire, dans les 90 minutes, et a marqué un petit but contre le Portugal. Ok. Alors, au niveau des cotes dans ce match France-Maroc, si tu regardes d'abord le marché 1x2, cote moyenne, bien la France est encore plus favorite que l'Argentine dans l'autre match, vu que c'est 1,53. J'y vois évidemment pas de value là-dedans. 3,94 pour le match nul, ça peut devenir un peu intéressant, même si moi je préfère que ce soit au-dessus de 4 pour les matchs nuls, c'est pour les entrevoir en pré-match. Et une grosse cote d'outsider pour le Maroc à 7,34, c'est bien le marché 1x2. Pour l'over under 2,5, même chose, hein, 1,64 pour l'under 2,5. Donc le marché s'attend à peu de buts dans ce match. Au final, eh bien, je veux aussi finir avec la cote de la qualification qui, pour moi, est plus évidente que sur les autres cotes parce que tu as la France qui a 1,22 pour se qualifier. C'est vraiment très, très peu payé, je trouve. Et 4,29 pour le Maroc. Je veux dire, c'est quand même une équipe qui a démontré jusqu'à présent qu'elle surprend et qu'elle peut surprendre tout le monde. Donc, si elle a de la value pour moi, c'est dans la cote de 4,29 pour le Maroc. Donc, dans les deux matchs, en pré-match, value sur la qualification de l'outsider. En tout cas, c'est mon opinion. Hein. Sache que tout le monde peut avoir des opinions différentes et qu'on n'a jamais tout le temps raison. Ok, donc, donne-moi ton opinion en commentaire. Où vois-tu de la value? Ça peut être sur d'autres cotes. Hein. N'hésite pas, ainsi on partage et on discute. C'est ça la meilleure des choses à faire. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que ici, c'est de la value pré-match. Il faut savoir que moi, je ne vais pas toucher à ces matchs en pré-match. D'ailleurs, pour toute la Coupe du Monde, j'ai tradé tous mes matchs en live. Si ça t'intéresse de toi aussi apprendre à trader ou trader eh bien, en étant accompagné, en voyant comment moi je trade mes matchs et les membres également, eh bien, n'hésite pas à jeter un œil. Tu es bienvenu dans mon club privé. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Et eh bien tu peux également me poser toutes les questions à ce sujet et tu apprendras évidemment à trader tous tes matchs en live vu que surtout dans un tournoi comme ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'observer, d'avoir des phases d'observation, comment se déroule le match, surtout dans une demi-finale, on ne sait vraiment pas, on s'attend à peu de buts, mais ça peut être complètement l'inverse qui va se passer, ça peut être un match fou, on l'a déjà vu dans les quarts de finale. Donc, le live pour moi, c'est ce que je conseille pour ces deux demi-finales. Je te laisse le lien de mon club privé dans la description de cette vidéo, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu vas partager un maximum avec tes amis. Alors, bonne Coupe du Monde à toi, bonne demi-finale et bonne chance à toi si
tu es eh bien de la nationalité, pardon, d'un de ces quatre pays. Merci et à bientôt.